Que diriez-vous de remonter le temps? Très peu d'animaux existaient déjà il y a 200 millions d'années. Le crocodile est le plus connu. Dans l'est de l'Inde, ces reptiles ont longtemps été chassés au point d'être menacés d'extinction. Mais les efforts pour les protéger ont porté leurs fruits, peut-être même un peu trop. Marion Lawamen et Saswat Patti peuvent en témoigner. Regardez. Nous sommes dans l'une des plus vastes forêts de mangroves du monde, à la recherche du plus grand crocodile de la planète, qui mesure 7 mètres de long. Sur ces terres qu'ils surnomment l'Amazonie indienne, ce chercheur observe les crocodiles depuis 15 ans. Là-bas, je crois qu'il y en a un. Sur la côte est de l'Inde, ce parc national plus vaste que Paris en abrite plus de 1800. Regardez, c'est un petit crocodile de 1 an. Les crocodiles sont des animaux à sang froid, donc ils doivent se mettre au soleil pour réguler leur température et rester en vie. Le crocodile partage cette forêt de mangroves avec les singes, les biches, les lézards et une diversité impressionnante d'oiseaux. Mais c'est lui qui règne en maître sans aucun prédateur depuis des millions d'années. Dans ce parc, on peut observer les crocodiles comme on observerait des dinosaures. Car les crocodiles ont survécu à l'extinction de masse, alors ils ont la même puissance, le même patrimoine génétique que les dinosaures qu'on n'a jamais eu la chance de voir. C'est une chance de pouvoir les filmer. S'ils ont survécu à la dernière extinction de masse, les crocodiles de ces marécages indiens ont pourtant failli disparaître dans les années 50. Victimes de la chasse intensive, ils n'étaient plus que 90. Ils sont plus de 1800 aujourd'hui grâce à cette nurserie. Dans cette piscine, ce sont des bébés de 1 an et demi. Certains entrent dans leur maison et les autres sont dans l'eau. Ils sont nourris et soignés jusqu'à leurs 4 ans, puis remis en liberté. À cet âge-là, ils ne consomment que des crevettes. Dans cette nurserie, leur chance de survie est de 100%. Dans la nature, ce serait seulement 1%. Chaque année, 2 ou 3 œufs abandonnés dans la forêt sont placés ici. Ce soigneur est un peu le père de tous ces crocodiles. Ça, c'est le nid artificiel où l'on dépose les œufs. Quand les bébés sont prêts à sortir, ils émettent un son. Alors je les aide à sortir de leur coquille, comme le ferait leur mère dans la nature. Ces nouveaux pensionnaires attirent une centaine de visiteurs chaque jour dans la réserve. On est vraiment contents de voir des bébés crocodiles. Et puis, c'est moins effrayant que les grands. Au cœur de la mangrove, ce guide recherche lui des plus gros spécimens pour son groupe de passionnés de reptiles. Mais l'animal se montre peu. Ils peuvent rester sous l'eau 45 minutes sans respirer. Il trouve d'abord un ancien nid. Une mère crocodile est capable de décider du sexe de ses petits. Si elle les couve entre 28 et 32 degrés, ce seront des femelles. Au-delà de 34, des mâles. Et après 1 heure de marche, le guide aperçoit enfin un crocodile. Attendez, au bord d'un étang. Regardez là-bas. Ce crocodile prend un bain de soleil. C'est une femelle de 4 mètres et 300 kilos. C'est un monstre, c'est vraiment un monstre. C'est excitant de voir un animal pareil. S'il n'y avait pas de grillage, je ne resterais pas là. C'est finalement, vu du ciel, que nous apercevons le géant des marécages. Ce mâle de 7 mètres de long, avant qu'il ne disparaisse dans les eaux troubles et redevienne un danger invisible. Car les efforts des autorités pour augmenter la population de crocodiles ont atteint leurs limites. Trop nombreux, ils sortent des eaux de la réserve et peuvent se trouver là, dans n'importe quel étang ou ruisseau. Les attaques se multiplient. La femme de cet homme est l'une des dernières victimes. Elle est sortie de la maison, puis s'est installée ici pour laver la vaisselle. Là, le crocodile l'a attrapée par son épaule et l'a emportée. Les attaques ont terriblement augmenté ces 2-3 dernières années. Quand j'étais enfant, je ne voyais jamais de crocodile ici. Pendant notre interview, un homme s'est fait attaquer dans le village voisin. Ce bateau de secours est à sa recherche. Les habitants sont sous le choc. Il prenait de l'eau ici pour arroser les champs. Quand le crocodile s'est jeté sur lui, le temps qu'on arrive pour le secourir, le crocodile l'avait déjà emporté au milieu de la rivière. C'est la 4e attaque cette année dans les environs. Alors le responsable du village a fait installer ses barricades. Le département forestier nous a aidés à installer ces points d'eau protégés pour que les habitants se servent de l'eau en sécurité.
Le parc national vient d'annoncer l'arrêt du programme de conservation. La nurserie des crocodiles fermera ses portes une fois les derniers petits remis en liberté. La nature reprendra ensuite seule sa route.